Ça fait maintenant 45 minutes que je suis entre les deux. Ouah ! Ouh ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo, désolé. Je vais vous raconter ma dernière rencontre avec Maurice. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez certainement vu des images, notamment de Maurice avec une plaie du côté droit, en haut du visage du côté droit. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Premièrement, ça fait longtemps que je n'avais pas retrouvé Maurice, ça faisait à peu près 2 mois. Et il faut savoir qu'actuellement dans la forêt d'Oulane, il y a énormément de fruits. Depuis ces 4 dernières années, c'est certainement la période où il y a le plus de fruits. En fait, les animaux ont vraiment pas de mal pour chercher leur nourriture. Et il se pourrait que ça joue un rôle en fait dans les relations sociales des animaux, parce qu'ils n'ont pas du tout d'énergie à dépenser pour aller chercher des fruits. Donc du coup, ils peuvent se concentrer sur les conflits territoriaux, sur les relations sociales, les accouplements, etc. Ça, c'est une de mes théories en tout cas. En tout cas, ça coule de source parce que c'est vraiment pas compliqué pour eux pour chercher de leur nourriture, contrairement à certaines saisons où les orang-outans sont contraints à manger par exemple de l'écorce d'arbre parce qu'il n'y a pas de fruits. Donc, me voilà dans la forêt d'Oulane. Les gars m'avaient dit qu'il y avait eu des vocalises de grands mâles orang-outans. Donc, je me dirige dans cette zone-là, je reste à l'affût quelques temps et puis j'entends des vocalises au loin. Donc je me dirige vers la zone, je marche à peu près 3-4 km. Et d'un seul coup, c'est un orang-outan qui me surprend, avec le fameux quiz kick que les orang-outans font quand ils sont stressés ou qu'ils voient des humains qui sont surpris. Ils le font mieux que moi. Et je me retourne, tac, je me fais discret, j'essaie de voir de quel orang-outan il s'agit, et c'est Maurice. Et Maurice, donc il a le réflexe évidemment, il pousse ses vocalises et il s'enfuit. Lorsqu'il voit des humains, je suspecte qu'il était au sol en fait quand il m'a vu, c'est pour ça que je réagis comme ça. Et je fais directement les sons que j'ai l'habitude de faire quand j'encontre Maurice, pour qu'il sache que c'est moi. En gros, je lui dis « Hey, c'est Shani ». Et là, on le voit sur les images, tac, il s'arrête de suite et tac, il me regarde. Et là, il s'assoit. Et il se rend compte que c'est pas n'importe quel humain, c'est Shani. Ben voyons. En tout cas, c'est un humain qui lui veut pas de mal, et ça, il l'a bien compris. Donc, je m'aperçois, je regarde aux jumelles, je m'aperçois que c'est bien Maurice, mais je m'aperçois aussi qu'il a une plaie. Et dans son comportement, je vois qu'il est stressé, pas par ma présence, mais il regarde ailleurs. Et là, je me dis, tiens, il se passe quelque chose. Déjà, la plaie m'indique qu'il a dû se battre avec un autre grand mâle orang-outan. C'est comme ça qu'ils font ces plaies-là. Et il semblerait que ça soit un coup de canine assez profond. Et je le vois stressé. Je l'ai rarement vu comme ça. Je l'ai déjà vu, vous l'avez vu dans une vidéo précédente, en conflit avec un autre orang-outan. Mais là, c'était sur son territoire. Et il l'avait fait fuir avec beaucoup d'assurance, même si je l'avais un peu aidé. Maurice se dirige vers l'autre mâle. À cet instant, tout peut arriver. Ils peuvent se battre jusqu'à la mort. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on est complètement au nord. On est à plusieurs kilomètres du cœur de son territoire. Il n'est pas avec sa famille et il est vraiment inquiet et stressé. Et au bout de 15 minutes, j'entends au sol un animal marcher. Je comprends que c'est un autre orang-outan que Maurice regarde et il a vraiment peur, quoi, ça se voit, quoi. Et l'autre grand mâle apparaît au sol. Vraiment, il se déplace super vite pour attaquer Maurice. Il veut vraiment l'attaquer. Et là, j'ai pas réfléchi. Je me suis levé et j'ai couru vers l'orang-outan en criant.
Et donc l'orang-outan a complètement, il était prêt à attaquer Maurice, il était en train de l'attaquer, et c'est peut-être lui déjà qui lui a fait cette plaie là, donc avec beaucoup d'assurance, et d'un seul coup il voit un humain débarquer, et je me suis retrouvé à un moment donné à 3 mètres du grand mâle quoi, qui est monté dans un arbre parce que complètement désarçonné, et il a perdu toute sa confiance en lui, moi en faisant des grandes vocalises. Ce qui est en train de se passer, c'est que je me suis interposé, j'ai été couvert Maurice, il a une grosse plaie au front. Et 10 minutes après l'avoir découvert, il s'est fait charger par un mâle, un nouveau mâle que je connais pas. Et je me suis interposé. Je sais que certains diront que c'est pas bien d'interférer dans la nature, mais moi j'ai pas interféré dans le processus naturel, j'ai aidé un copain. Et du coup, Maurice reste derrière moi. Et là, en haut de moi, il y a juste au-dessus de moi, il y a l'autre mâle. Ça fait maintenant 45 minutes que je suis entre les deux. Ouah oh oh. Et l'orang-outan est monté dans l'arbre. J'ai continué à faire des cris. Et Maurice est resté toujours derrière moi. Et c'est drôle parce que le grand mâle est monté assez haut dans les arbres parce qu'il voulait chercher la sécurité. Et Maurice a de suite compris que j'étais dans son camp. Il me connaît. Et il est resté tout le temps assez bas en fait dans les arbres et derrière moi, donc j'étais toujours entre les deux orang-outans et il est devenu beaucoup plus calme. Et voilà, il n'ose pas me passer en fait. Maurice reste derrière moi. Il y a 50 feet entre les deux. Maurice reste plus bas que l'autre mâle. Pas essayé de s'enfuir, il restait simplement toujours derrière moi. Et là, je me suis rendu compte que Maurice, il y a un truc qui s'était passé, quoi. Dans l'habituation que je fais avec Maurice, il s'est passé un truc parce qu'il a de suite assimilé que j'étais dans son camp, à poser des grosses vocalises et tout. L'autre orang-outan, il devait se dire, mais c'est qui ce fou? Alors que Maurice se sentait en sécurité. Ça, c'est Maurice. Il est Maurice. Et il savait que tant que j'étais là, il allait pas se faire attaquer par l'autre mâle. Et ça a duré plus de 2 heures. Ça a duré plus de 2 heures jusqu'au moment où l'autre mâle a fini par abandonner. Et Maurice est doucement reparti vers le sud, là où c'est le cœur de son territoire, quoi. Et c'est drôle parce que... Donc il me regardait en permanence et il était assez bas dans les arbres, assez proche. Il s'est mis à manger et... Et à un moment donné, il s'est mis à pleuvoir, donc j'ai mis ma veste et mon poncho.
Et à un moment donné, il s'est vraiment mis à pleuvoir très fort, donc j'ai mis la capuche du poncho. Et Maurice n'arrêtait pas de me regarder. Et au moment où j'ai mis la capuche, il m'a regardé et il a cassé, ce que font régulièrement les orang-outans, hein. Il a cassé le haut d'un arbre qui avait des grosses feuilles, donc il a pris une touffe de grosses feuilles et tac, il s'est mis sur la tête. Voilà, écoute, depuis tout à l'heure, et Maurice tout à l'heure, il a pris ça, et il s'en servait de parapluie. Je l'avais déjà vu dans les documentaires, mais je l'avais jamais vu en vrai. Et j'ai pas pu filmer parce qu'il pleuvait vraiment trop fort, je pouvais pas sortir la caméra, mais c'était drôle quoi. Et ensuite, bon, moi, il était l'heure de rentrer parce que je voulais pas rentrer à la nuit. J'avais beaucoup de marche à faire. Et quand il a commencé à s'éloigner, c'est drôle parce que Maurice, à chaque fois, regardait en arrière comme si il me suit ou pas, il vient avec moi ou pas. Et avec la pluie, Maurice en profite pour partir, je le laisse partir. Je vais rester encore 10 minutes ici pour m'assurer que Maurice prenne bien de l'avance par rapport au mal qui est toujours là, qui lui est gêné par la pluie et il ne sait pas trop où je suis. Il a mangé plein de rambutans là, Maurice. Il y a plein de fruits en ce moment dans la forêt. Et c'est l'une des premières fois où en fait Maurice, il y a eu vraiment un lien en fait. Jusqu'à présent, il me regardait comme observateur et là, j'ai pris part un peu dans la situation. C'est fou comme Maurice a compris que je l'ai aidé quoi. Dès que j'ai commencé à pousser des grands cris en direction de l'autre mâle, hein, et que je suis allé vers lui alors qu'il était au sol. Hein. Et Maurice, après ça, était bien toujours derrière moi. Et on faisait front vraiment à deux, quoi. Et c'est assez génial, ce sentiment-là. Bah, encore une fois, certains diront que c'est un processus naturel. Je vais pas m'interposer. Mais c'est un pote, quoi. J'ai aidé un copain aujourd'hui. Non, c'est pas moi qui veux changer le cours des choses ici, la Doulane. En l'aidant une journée. En tout cas, ça va pas révolutionner la dynamique des populations des orang-outans dans la forêt d'Oulan. J'étais là à ce moment-là, donc on a fait tous les deux front et l'autre mâle, hein, que je connaissais pas. Hein. Et ben voilà, il laisse la paix à Maurice. Voilà, donc et ben j'ai qu'une envie, c'est de retourner dans la forêt. Alors pour vous tenir au courant, nous allons faire une nouvelle transaction pour sécuriser plus de terrain, notamment au sud de la forêt d'Oulan. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. La transaction aura lieu probablement fin février, début mars. Voilà, grâce notamment au soutien de nouvelles fondations, je vous ferai une vidéo lors de la transaction. Voilà, merci beaucoup. Continuez à nous soutenir. C'est grâce à vous qu'on peut sécuriser cette forêt et le futur de ces orang-outans. Merci beaucoup.